Attention, cette critique représente un avis personnel. Si vous n'êtes pas d'accord avec les propos tenus dans cette vidéo, c'est pas grave, je vous aime quand même. Allez, c'est parti! Et c'est à ce moment-là que je vais me faire des ennemis dans les commentaires. Pinocchio est un personnage de fiction inventé par le journaliste italien Carlo Collodi en 1881. Et le Pantin de Bois aura connu par la suite différentes adaptations sur différents supports durant chaque décennie du siècle dernier. À tel point que chaque génération aura eu son Pinocchio au cinéma, pour le meilleur comme pour le pire. Mais aux yeux du grand public, l'image de Pinocchio est celle représentée dans le film d'animation Disney de 1940. Pinocchio est une histoire intemporelle que chaque cinéaste veut s'approprier pour en sortir sa propre vision personnelle. Matteo Garrone est le dernier en date à avoir exploré ce récit avec un Roberto Benigni en Geppetto. Et à l'heure où je vous parle, Guillermo del Toro sortira sa version directement sur la plateforme de streaming Netflix en décembre prochain. Mais entre ces deux longs métrages, c'est le cinéaste Robert Zemeckis qui a le flambeau en main pour offrir au public sa version live action de l'animé de 1940 avec Tom Hanks en Geppetto. Pinocchio de Robert Zemeckis est le film que je vous critique aujourd'hui, et du coup, c'est bien ou pas ? Hey, salut à tous, bienvenue dans le Cinéclème, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo critique. Et il s'agira de l'énième adaptation de Pinocchio, cette fois-ci réalisée par Robert Zemeckis, qui raconte la même histoire, ou presque, du film d'animation de 1940. Et je ne vais pas vous mentir ou faire dans la langue de bois, haha, t'as compris la blague, cette nouvelle adaptation de Pinocchio n'était pas nécessaire. Il faut quand même la regarder car il y a plein de belles choses, il y a plein d'idées de mise en scène. Robert Zemeckis, n'aide de rien, c'est pas un manche, mais quand même le fait de savoir que c'est réalisé par ce gars-là, ben c'est un petit peu décevant, sachant que il y a quelques années de ça, je disais encore qu'il s'agissait de mon réalisateur préféré. Et tu es là pour quoi ce soir et pour voir qui exactement? Alors moi je suis là vraiment pour voir Brad Pitt et Robert Zemeckis. C'est vraiment mon réalisateur préféré. Le véritable problème de cette adaptation live-action de Pinocchio, c'est qu'il s'agit d'un film qui fait le malin. Il tente de reproduire à l'identique un souvenir de spectateur qu'il modifie par instant pour faire du neuf ou pour remplir un cahier des charges, en fait on sait pas trop, et qui du coup n'est pas en adéquation avec l'idée de départ qui était encore une fois de recréer un souvenir à l'identique. Et c'est à ce moment-là que je vais me faire des ennemis dans les commentaires. Mais bon sang, quelle idée d'avoir remplacé la fée bleue qui était blonde, blanche, aux yeux bleus, par une actrice de couleur chauve. Et pourquoi c'est une mauvaise idée selon moi? Car tout simplement, ça ne va pas avec le projet de base qui était de faire un remake copier-coller de Pinocchio. Je veux dire, ça n'est pas possible de pousser le truc à fond, de reprendre tout pareil, Geppetto, la maison Pinocchio, et de modifier ce détail-là. À l'inverse de la fée bleue, je trouve ça très bien d'avoir mis un autre personnage de couleur dans l'histoire, car cet autre personnage est ajouté sur une extension de l'histoire. En gros, ça perturbe pas du tout le souvenir qu'on avait de 1940, mais au contraire, ça lui ajoute quelque chose, ça ajoute une continuité. Ce que d'ailleurs la version live-action de La Belle et la Bête en 2017 avait parfaitement tout compris. Ils avaient ajouté des extensions, des scènes plus longues, des nouvelles chansons, et ça fonctionnait. D'ailleurs, mettez-moi en commentaire quelle est votre adaptation préférée live-action de Disney. Est-ce que c'est La Belle et la Bête? Est-ce qu'il s'agit de Peter Elliot le Dragon? Est-ce qu'il s'agit de Pinocchio? Bref, je lis tout le monde et réponds à tout le monde, comme d'habitude. Pour revenir à Pinocchio, je pense que Disney n'a pas assumé le truc jusqu'au bout. Quitte à mettre une actrice de couleur et chauve, autant pousser le truc jusqu'au bout et changer tout ce qui gravite autour de Pinocchio et s'éloigner le plus possible de l'œuvre de 40 pour faire quelque chose d'original et nouveau, un petit peu comme l'année dernière avec le Cendrillon qui était sorti sur Prime Video, qui lui était complètement éloigné de l'œuvre de Disney. Au final, cette nouvelle adaptation de Pinocchio est un film malade, représentatif du public de son époque qui a un fort besoin de nostalgie mais qui se contredit en se plaignant sans cesse d'avoir un besoin de nouveauté. Mais là où le film s'en sort, et c'est pour ça que je dis qu'il est malin, c'est qu'il y a un petit message à la fin qui est en fait représentatif de tout le film, de la fée de couleur, de Pinocchio, de plein de choses, il y a plusieurs lectures. Il intègre dans la tête du spectateur le message suivant, l'apparence ne compte pas, ce qui compte c'est ce qu'on a à l'intérieur. C'est vrai, je trouve ça très beau, c'est vrai, je trouve ça très juste, mais je trouve ça aussi très malin, parce qu'avec ça, Disney ou Zemeckis, ou le film Pinocchio tout simplement, en fait se protège de toute critique ou remarque justement, parce qu'il y a des différences ou des trucs ajoutés dans son film. Autre problème que j'ai avec ce film, et promis après on parle des points positifs, eh bien c'est le côté numérique et lisse de l'image qui est clairement exploité à outrance. Ça me fait mal de le dire, mais je crois que je n'ai jamais autant vu de problèmes visuels sur un film live action Disney. Et je veux bien entendre que l'apparence n'est pas ce qui importe, mais là visuellement si. Le bois de Pinocchio ne ressemble jamais à du bois, l'eau ressemble jamais totalement à de l'eau, c'est une espèce de sensation étrange d'assister à un spectacle qui n'a pas eu le temps d'être peaufiné ou remis en question. Et c'est horrible de dire ça parce que en fait sur le papier tout est là. Pinocchio c'est une histoire qui fonctionne, c'est une histoire qu'on connaît, c'est une histoire qu'on aime. T'as Tom Hanks qui est un immense acteur en plus qui est dirigé par Robert Zemeckis, son pote de toujours avec qui il a fait Seul au monde, Forest
Forrest Gump, Le Pôle Express, t'as Alan Silvestri, compositeur attitré de Robert Zemeckis, qui revient pour faire la bande originale. Je veux dire, tout est là, c'est Disney, tout est normalement magique et ça marche pas. Je parlais d'Alan Silvestri, mais même la bande originale, en fait, elle est très très belle, elle est très touchante, mais elle est présente constamment. Genre les personnages hurlent, crient, la musique est à fond, il y a une espèce de dynamique qui laisse jamais vraiment le spectateur respirer. Et triste de constater ça, il y a aussi un problème de rythme. J'ai regardé, le film dure sans générique de fin, 1h37. Pinocchio sort de sa maison pour la toute première fois au bout d'une demi-heure de film. Il reste à peu près une heure pour que Pinocchio se fasse enlever, qu'il se retrouve dans le spectacle de Stromboli, qu'il parte dans l'espèce de parc avec les enfants, qu'il se transforme en semi-âne, qu'il se fasse bouffer par une baleine, tout ça en une heure. Voilà. Et pourtant je suis hyper fan de l'histoire, il y a plein de trucs positifs, je trouve que le film était hyper bien parti. Le tout début est magnifique, Tom Hanks fait un Geppetto touchant et parfaitement crédible dans le rôle, Jiminy Cricket qui joue le narrateur, qui se parle à lui-même, bah en fait c'est une jolie idée de mise en scène. Les easter eggs dans la maison de Geppetto, j'ai trouvé ça très très drôle, il y en a même un de Roger Rabbit qui est un des premiers films de Robert Zemeckis. Le personnage de Pinocchio, il parle, il se comporte exactement comme dans l'animé de 1940, bref la première demi-heure est vraiment vraiment très très belle. Et après ça, ça a été la chute. Je sens que je suis en train de vous perdre, vous savez pas trop si j'ai détesté, si j'ai aimé, si j'ai adoré, si j'ai trouvé ça beau, si j'ai trouvé ça moche, je vais résumer tout ça en quelques secondes. En bref, c'est un petit peu le bordel. Pinocchio de Robert Zemeckis, c'est un joli film Disney qui n'est autre que l'adaptation d'une histoire qu'on aime. C'est un véritable plaisir nostalgique et familial et je pense que ça n'a pas l'ambition d'être plus qu'un film familial. C'est réalisé avec le talent de Zemeckis et je souligne que certains plans et idées de mise en scène fonctionnent plutôt bien, mais malheureusement aussi d'effets visuels ratés, voire pas terminés à tel point qu'on ne croit pas complètement à l'interaction des comédiens face aux personnages en images de synthèse, et puis tout d'un coup donne un coup d'accélérateur pour t'en mettre plein les yeux et les oreilles, et on en ressort forcément un petit peu épuisé de l'expérience. Et je les pardonne à moitié parce que le live action c'est un exercice difficile, et c'est un exercice difficile à cause de l'exigence du public. Il faut absolument ramener ce qu'on a aimé, mais pas trop parce que sinon on va dire que c'est pas original, que ça reprend absolument tout. Faut pas trop dénaturer l'œuvre en mettant quelque chose de nouveau parce que du coup ça nous rappelle pas nos souvenirs passés. Oh, j'y pense absolument rien à voir avec ce que je viens de dire, mais je me suis fait une réflexion pendant mon visionnage de Pinocchio, c'est qu'en fait tout le monde a un petit peu une sorte d'admiration, dégoût, je sais pas trop, par rapport à Pinocchio parce qu'il s'agit d'une marionnette qui parle et qui, bah ouais, qui est vivante quoi, qui est animée. Qui est la première personne qui réagit à la découverte de Pinocchio une fois que le garçon est dehors? Eh bien c'est un renard qui parle. Voilà, c'est tout pour moi. Pinocchio de Robert Zemeckis est disponible sur Disney+. Allez le voir, regardez-le en famille, forgez-vous votre propre avis parce que votre propre avis, c'est le plus important. Et voilà, cette vidéo se termine là pour aujourd'hui. J'espère qu'elle vous a plu. Je suis hyper content de revenir pour faire des critiques vidéo sur YouTube. Ça faisait un petit moment. J'avais besoin d'une pause. J'avais besoin de vacances, comme on dit. J'ai refait l'habillage un petit peu. Donc, dites-moi dans les commentaires si ça vous plaît, si vous aimez bien cette couleur, cette ambiance, ce ton-là et ce format-là. Bref, je lis tout le monde et réponds à tout le monde. Je vous refais le truc. Les réseaux sociaux en bas. Abonnez-vous, activez la cloche, le petit pouce en l'air, les commentaires encore une fois. Voilà, moi sur ce, je vous laisse ici. Je vous embrasse, je vous aime et vous dis à très très vite dans le Ciné-Clem. Ciao!